Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Tales of Symphonia. Aujourd'hui, nous reprenons l'aventure. Alors, petite aparté, malheureusement, j'ai pas pu vous sortir. De base, il y avait une abonnée qui m'avait demandé quand est-ce qu'il y aura la suite. Je lui avais répondu dans la journée. Cette journée-là, j'ai effectivement bien tourné la suite de l'aventure. Malheureusement, je venais de changer de micro, j'étais en train de le paramétrer et c'est simple, il n'y avait pas la musique du jeu, ça a churé, c'était de très mauvaise qualité. Donc j'ai pas pu vous la sortir en milieu de semaine. Mais l'autre problématique, c'est que j'ai sauvegardé, donc je ne peux pas retourner cet épisode et du coup malheureusement il manque une partie. Donc je vais voir si je vous mets des petits extraits pour que vous voyez ce qui s'est passé, mais grosso modo, c'est plutôt simple. On était donc dans la ville, nous nous sommes fait capturer et on a été amené là-bas, dans cet édifice. On a revu les méchants du début de l'aventure et notre héros était prisonnier. Il a réussi à s'échapper grâce à l'aide de Colette qui nous a rejoint. Et maintenant nous sommes donc en compagnie de Colette, de Janis et de Kratos évidemment. Bref, on va essayer d'aller se soigner un petit peu à Triette et voir maintenant ce qu'on doit faire et où on doit se rendre. J'avais oublié ce petit détail également, le fait que la professeure les avait rejoints, c'est plutôt drôle qu'elle soit avec eux. Elle est vraiment d'ailleurs passionnée par son métier, hein, clairement. Ouais, c'est ça là. Allons-y. Sensei, モンスターについて調べたことをまとめているの。あなたこそ夜更かしはいけない。先生の要の。え?分かっているわ。でも旅は長いのだし、いつでも構わないの?ってことは、俺もジーニアスも。あ、だからそのつもりでしょ?しらじらしい。そうだ。要の門ができ。門を直ったの。ありがとう、ロイド。これがエクスフィア。 Ok, bon, il a réussi son objectif, mais donc d'après ce que j'ai compris, c'est la nuit, il va falloir qu'on aille dormir. Allez, allons-y, c'est parti. Ouais, on va le suivre. On va grave le suivre.
ロイドか。すまない。お。驚いたなんてもんじゃねえよ。私の背後には立たない方がいい。そうする。あんた、動物が好きなのか？いや、別に。にしちゃ、ノイシュも敵意を持って、こいつ他人になれないから。私も昔、動物を飼っていたことがある。へえ。ロイド。なんだよ。お前は立ち筋が荒い。もう少し隙をなくすように心が、命を落とさないためにも。ちょっと俺より腕が立つと思って偉そうに。だいぶかな。くそ。En même temps, le mec, c'est un mercenaire accompli, hein, alors que toi, t'es encore jeune. Bon, maintenant il fait jour, on va voir un petit peu ce qu'on doit faire. Ouais, je m'en doutais, ils sont tous sortis. Bon, on va sortir, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Ok, donc c'est au sud-ouest d'ici. Et du coup, elle peut combattre avec nous, elle ? Eh ben ouais, elle est niveau 7. On est tous niveau 7, sauf Lloyd qui est niveau 8. Eh bien écoutez, let's go, hein. Donc là, on va se rendre dans un nouveau donjon qui permettra de briser le premier sceau. Ok, alors, logiquement, au sud d'ici, ils m'ont dit, enfin, au sud-ouest. Donc, si on va en logique, le sud-ouest, c'est par là-bas. Il va poser problème. Alors, attendez. Ah bah non, ça doit être ça, là-bas. Parce que là, je vois des ruines. Là-bas, il y a l'endroit où on avait été. Et là, il y a la mer, donc il n'y a pas vraiment le choix, c'est là-bas. C'est ça, les ruines de Triette, nickel. Vas-y. Scadon. Voilà, y'a pas de battre. Mon sabakwa kiaki daze. どうした、ノイシュ。気をつけろ、敵だ。あ、デジャ？よし、行くぜ。おら、すごい、クラクチュー。これだ、ストレージ。相手が悪かったな。ニケル。Contre, ils m'ont enlevé pas mal de points de vie, je trouve. このままでは足手まといになりかねんな。何がだ？いや。とりあえずお前たちは自分の身を守るための技術を学んだ方がいい。それは護身術みたいなものですか？そうだな。戦いの際、自らの防御を高める技だ。私が今から見本を見せる。理屈さえ分かれば、習得は容易なはずだ。
よし、なんだかわかんねえけど強くなった気がする。Oh là là, par contre, le frame rate là avec le sable, c'est horrible. Putain, avoir un frame rate aussi niqué sur un jeu aussi vieux, c'est quand même grave. Hein. ノイシは当てにしない。すごいすごい。やっぱりロイドは強いね。変なことないよ。コレットのおかげさ。うんうん。私は後ろで見てただけだよ。だから安心して戦えるんだ。これからも頼むぜ。 Ok, capacité, ça c'est les capacités ex, je pense pas en avoir en plus. Les techniques. Donc lui il a appris gardien. J'avais même pas qu'on pouvait faire ça, c'est cool. Donc on en a plusieurs qui ont des sorts de soins. À savoir du coup Kratos, et je pensais pas que c'était Kratos qui était le soigneur, vous voyez, comme quoi. C'est un peu ridicule ce que j'avais fait, je pensais que c'était elle et pas du tout. Et on a Lane également. Bon bref, allons-y, c'est parti. Quittons cette zone avec ce framerate dégueulasse, il est temps. Elle est tarée, elle. これは古代大戦時の魔術障壁として開発されたカーボンネイトだ。ああ、この滑らかな肌触り、見事だ。いつもこうか。そう。 Allez, c'est parti, on va rentrer à l'intérieur et voir ce qui nous attend. Et nous voilà dans un nouveau donjon. Donc là, le but, c'est évidemment d'aller au fond, de battre, j'imagine, probablement un gardien. Et grâce à cette victoire, ensuite, de briser le feu. C'est bon, on l'a eu. J'ai eu quoi? 58 points d'expérience avec 0 de bonus. Allez, nickel, on peut avancer. Ah, nouveau combat. Eh, arrêtez de m'attaquer.
Le but c'est quand même pas de mourir dès le début du jeu, hein, on va éviter. Ah oui, ils sont chiants par contre à battre. C'est bon, je l'ai eu. Allez, on s'occupe du scorpion. C'est gagné. Coffre ? Ah, attendez. Miko wa tomokaku, sekai kyūsai no tabi wo okonatteiru ikkou ni wa mien na. Mada Lloyd to Genius no koto, mitomete inai no kashira ? Sekai no unmei wo ninau ni wa kokoro mo akasugiru. Karera ni kyūsai no tabi no sekinin wo oikireru ka na ? Watashi mo elf to wa ie, chiisana mura no kyōshi. Anata wa okane de hatoraku yōhei. Sou iu imi de wa, watashi tachi mo sekai kyūsai to iu taigyō wa Ok, très intéressant. Ok, donc on est dans une nouvelle zone. Qu'est-ce que c'est ? Intéressant. Putain, mais comment ça bug, c'est horrible. Comment c'est possible de prendre un jeu qui bug autant? Attendez, on est quand même en 2022. Et là, on est... Regardez-moi ça. Ah, mais c'est pas possible. Les mecs, ils ont fait un jeu qui date quand même à la base des années de début 2000. Et le jeu, il est même pas foutu d'être fluide, quoi. C'est honteux. Et on te vend 150 balles. Mais à quel moment, en fait? Moi je vais leur envoyer un mail à Bandai. J'aurais peut-être dû racheter des gelées de pommes parce que là je suis un peu à la dèche. Hein. C'est horrible. Bon là pour l'instant on peut pas y aller. Évidemment. Oh putain mais il est nul. Mais c'est consternant d'être aussi nul. Et putain, mais attaque un peu! Bon, ok, c'est gagné. Et il faut que j'aille acheter des choses là, je suis trop mal équipé. Ok. De toute façon, je pense que là on est censé aller vers le haut, mais je vais sortir, on va retourner en ville pour acheter ce dont on a besoin. J'aurais dû penser avant, je suis un peu bête.
Ok, on est parti, messieurs, dames. Nouveau périple vers la ville. Elle est là. J'espère que j'ai assez d'argent, par contre. Et combien ? Oh bah oui, j'ai assez. Attendez, parce que là on a de l'équipement du coup. Du coup, j'imagine que j'ai pas assez d'argent pour m'acheter de l'équipement. Ok, c'est bon. Et écoutez, allons-y. Au moins, on aura récupéré ce qu'il nous faut pour survivre à ce qui nous attend, entre guillemets. Les ruines, elles sont là-bas. Par contre, j'espère qu'en quittant les ruines, ça va pas désactiver tout ce que j'avais déjà activé, parce que ce serait un peu embêtant pour le coup. Ok, nous voilà de retour, c'est parti. Allez, on y va, let's go. Ouais, je vais me tromper. Ok, c'est bon, ensuite... J'aurais peut-être pu le soigner, hein, je suis trop con, hein. Pourquoi je suis pas allé à l'auberge? Ok, c'est gagné. Cool. Par contre, s'il nous donne des fioles vitales, ça, par contre, c'est vraiment cool pour le coup. Un petit coffre. Oh non, tout sauf ça, les gens. Je pense que c'est toujours très difficile à battre. C'est une blague. Parce que si on se fait tous tuer, ça va m'énerver. Et pourquoi je lui fais aucun dégât en fait? Bon, vas-y, c'est bon, je laisse faire, je m'en bats les couilles. De toute façon, ça sert à rien. Je vois pas l'intérêt de faire un monstre qu'on peut pas battre en fait. Surtout au début de l'aventure, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. C'est bien que ces monstres sont toujours forts dans les jeux, mais là tu fais un monstre qu'on ne peut pas battre. Ça a quel intérêt en fait? Ça a quel intérêt? Bon ben pour le coup, du coup je suis de nouveau devant la ville, donc on va aller à l'auberge. Hein. On n'aura pas perdu pour rien.
Alors l'auberge, elle est juste ici. Allez, direction les ruines. Je vais re-sauvegarder par contre devant les ruines. Cette fois-ci, espérons que ce soit la bonne. Horrible à commencer à bugger. Intéressant. Du coup, maintenant on peut aller là et déclencher une autre torche. Franchement, c'est abusé de la première. On est au début du jeu. Les mecs, ils m'ont enlevé 400 points de vie en 10 secondes. C'est quoi ce jeu en fait? J'ai l'impression qu'ils ont repris le jeu de l'époque et qu'ils ont rien modifié. Ils ont dit, vous savez quoi? On utilise une IA, elle nous le met en HD et on dégage ça comme ça. On s'en fout des bugs, on s'en fout de l'équilibrage. Allez vous faire voir. Je vous jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vais finir par le lâcher le jeu si ça continue. C'est merde. En 2-2, les personnages soigneurs se retrouvent sans PM, donc tu peux plus te faire soigner. Et tu reçois du 200 de dégâts en 2-2 aussi. À 600 points de vie, ça veut dire que tu reçois 3 attaques, t'es mort. Voilà. Et c'est normal, bien sûr, c'est normal. Comment on fait pour atteindre cette zone? Bah.
Les escaliers ils servent à R. Là, je pense pas qu'on puisse l'atteindre par là. Donc, bah, il faut aller au centre, j'imagine. Bah, je vois que ça en possibilité. Ah mais oui, j'avais pas vu ça au début. Attendez. Ah non, je peux rien faire là. Par contre, ouais, je peux m'en servir ici. Mais pas que. Il y en a deux, c'est pas pour rien. Ok. Bon, c'est bien parce qu'on a déverrouillé ça, mais l'utilité, je la connais pas encore. Allez, ça y est, on a plus de points de vie, c'est magnifique. J'ai tout perdu en combien? En 2 secondes? C'est bien ça, hein? J'ai bien ce jeu, c'est génial ce jeu. Moi ça m'énerve. Vraiment là je prends même plus plaisir à y jouer. Je veux dire, t'es là, tu utilises tes compétences en 2-2, tu perds tous tes points de vie, tu perds tous tes PM, t'as tous tes coéquipiers qui meurent, mais c'est normal. C'est totalement normal. C'est du foutage de gueule. Hein. Vraiment, c'est du gros foutage de gueule. Regardez-moi ça, j'ai utilisé toutes mes gelées de pommes, il m'en reste deux. On est au début du donjon, j'ai plus de gelées de pommes. Mais en fait, à quel moment? Bien évidemment, la première chose, la première zone s'était désactivée, c'est génial. Ça me gonfle, vraiment ça me gonfle, j'ai l'impression de perdre mon temps là. J'ai même plus envie de me battre là à ce stade. Allez, je vais brûler vite et puis on... Ah mais non, c'est vrai, j'ai pas le poids. Hein. Je peux pas attaquer. Voilà, là je me suis pris combien? Je me suis pris 400 de dégâts en vidéo. Et voilà, bon, on va couper les brûlures. Hein. T'en es marre. Moi, j'en ai plein mon aussi. Il perd, je vous dis, j'arrête de jouer, ça m'a gagné. Voilà, et bien écoutez, fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu parce que moi, c'est pas le cas, ça m'a gavé.
Donc n'hésitez pas à me dire si j'ai fait quelque chose de travers, mais là, moi, au bout d'un moment, ça m'a cassé les... Hein. Bon, là, j'ai pas allé plus loin que ça. Mais le jeu, tu te tapes un coffre qui t'éclate, tu peux rien faire contre lui. Les monstres, ils te font du 400 de dégâts alors que t'as 600 points de vie. Tu te retrouves avec 4 monstres qui te déglinguent, tes coéquipiers qui utilisent leur PM en 2-2. En fait, tu peux rien faire dans ce jeu. Tu ne peux rien faire. J'ai acheté 14 gelées de pommes, il m'en reste 2 au bout de 10 secondes. Enfin, bon. Voilà, ça m'a gavé. Donc, je vais jouer à Octopath Traveler 2 tranquille. Et après, peut-être que je reviendrai sur ce jeu, c'est même pas sûr parce que ben, ça m'a gonflé. Donc, voilà, c'est triste, mais bon, au bout d'un moment, le jeu il bug comme c'est pas possible. Le framerate il est dans les roses alors que le jeu il est sorti il y a 20 ans. On a l'équilibrage qui est pété. Enfin, à un moment donné, déjà vous ressortez un jeu qui est sorti il y a 20 ans, vous nous le faites payer 50€. Faites quelque chose sur le jeu. Je sais pas. Travaillez un peu. Justifiez le prix, non? Bref, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.